sommes toujours à la veille de l'honorable Willy Matsanga. Donc là, je suis avec une personne qui va se présenter. Bonjour, monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je me présente, je suis Farel Baneketa. Oui. Comme je dis, je me présente, je suis Farel Baneketa. D'accord, mais dites-nous, nous sommes ici à la veillée de l'honorable. Parlez-nous un peu de lui, s'il vous plaît. Vous êtes qui d'abord pour lui? Oui, mais premièrement, je suis congolais comme lui. Oui. Et puis, je suis parmi en fait ces petits en fait, fidèles. Donc aujourd'hui, on est là pour nous rendre hommage. Même j'ai le cœur serré de purger en fait mes sentiments par rapport à sa mort. Mais bon, ainsi va la vie. Parce que en fait, je vais dire, c'est le passage est obligatoire pour tout le monde. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, on est là quand même pour célébrer quelqu'un qui était célèbre, très important. Voilà. Donc je suis là pour ça. D'accord. Dites-nous, ici nous sommes où exactement? Nous sommes à Savigny-le-Temple. Dans le 77. Autrement dit, dans le 77. En fait, c'est la France, en fait dire. D'accord. Donc c'est pas en fait en province, mais nous sommes à Paris quoi. D'accord. Aujourd'hui. D'accord. Mais quel souvenir que vous gardez de l'honorable? En fait, j'ai tout un livre de souvenirs pour lui. Donc je peux pas en fait donner les détails. D'accord. Franchement, j'ai trop de souvenirs pour lui. Dites-nous quel message que vous envoyez aux gens de Brazzaville qui vous attendent. Parce que le corps va aller le mardi à Brazzaville et les gens qui les attendent là-bas, paraît-il, il y a des gens qui tirent déjà à Filou et autres morts. Quel message que vous pouvez envoyer à ces gens-là? En fait, ce que je vais dire à mes chers frères, ça sert pas. En fait, ça sert pas de tirer. On est là aujourd'hui pour honorer en fait notre frère. Autrement dit, il y a Willy Mazas, en même temps, un grand monsieur, l'honorable, c'est pas donné à n'importe qui. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire à mes frères, de respecter en fait voilà, son mémoire et puis de l'accueillir en fait avec sagesse. Alors vous l'avez courtisé, quel souvenir, quelle chose que vous pouvez garder de lui? Comment dirais-je, mais bon. Les souvenirs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les mots me manquent même de dire, je vous dis même, c'est tout un livre de souvenirs. Voilà. Donc, logiquement, je peux vous dire que les souvenirs que je peux garder pour lui, c'est quelqu'un en fait qui nous mettait à l'aise. Social, voilà. Et gentil envers tout le monde. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens en fait qui disent que non, mais il était mauvais, il y a des gens qui disent qu'il était bien. Même Jésus qui réveillait les morts n'était pas bon. Pour tout le monde. Donc il y en a qui disaient que non, il est bon, il y en a qui disaient qu'il n'est pas bon. D'accord. Mais pour moi, en fait, c'est un monsieur que je dois du respect, même s'il n'est pas là, il est mort, mais je lui dois du respect parce que voilà, il a fait quand même des choses quand même qui m'a marqué. D'accord. C'est ça. Ok, mais présentez-vous encore pour la dernière fois, s'il vous plaît. Ouais. Pour tout ce que vous regardez. Ouais. Je suis Farel Baneketa. Tu vois, bon, là en fait, c'est un problème de malheur, c'est un problème de décès. Donc, je ne vais pas rentrer encore dans mais les détails. Mais on aura l'occasion de vous recevoir. Est-ce que vous partez à Brazzaville ou pas? Mais pourquoi pas? C'est mon pays. Mais non, vous ramenez le corps avec, vous partez avec le corps au même moment ou pas? Vous allez attendre. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais j'aurai l'occasion de vous inviter à l'émission du 17 novembre, si cela vous intéresse, pour que vous nous expliquiez un peu bien ce que vous avez vécu avec l'honorable. Mais je vais vous dire avec plaisir. D'accord. Je suis là. D'accord, mais je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Voilà.